La campagne de réabonnement pour la saison à venir bat son plein. C'est un véritable succès populaire auquel l'équipe du service billetterie doit faire face. Près de 3000 amoureux du Racing ont renouvelé leur bail avec leur club de cœur et ce, en quelques jours. Des supporters qui ont fait preuve de patience, qui plus est dans la bonne humeur, c'est toujours plus facile ainsi. C'est calme, on prend notre temps, faut être patient. Après bon, ça, une fois qu'on aura le sésame, on pourra rentrer content. Ça fait partie du jeu, hein. Les abonnements ont commencé depuis la semaine dernière, donc on savait qu'il y avait d'attente, mais bon, on prend seulement la patience. Hein. Les perspectives pour cette saison et surtout le nouveau stade Bollaert de Lelys, le sujet pour le moins récurrent au sein de la file d'attente. C'est quand même quelque chose d'important, hein. C'est vrai qu'on a vécu une saison en galère l'année dernière, donc on compte bien revenir aux sources et puis repartir sur de bonnes bases. Quoi. Là, de retrouver Bollaert, c'est déjà une bonne nouvelle. Après, bon, on verra, c'est le mois d'août qui décidera tout quoi, pour la place qu'on pourra avoir au classement au final. Si on pouvait jouer première place, ce serait bien. Le nouveau Bollaert, ça va être magnifique. On en manque, hein. Faut dire ce qui est. Et puis, on verra. On monte pas, on reviendra l'année prochaine, tout simplement. On va retrouver le stade, on espère avoir une équipe compétitive. Et le plus important, c'est surtout la stabilité. Parce que là, la saison qu'on vient de vivre, c'est vraiment très compliqué, que ce soit pour l'entraîneur, pour les joueurs, pour le public. Donc là, on revient à Bollaert et on veut avant tout retrouver la stabilité. En ce qui concerne les nouveaux abonnements, il faudra patienter jusqu'au 26 juillet prochain, avec, on l'espère, le même engouement populaire.